Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3 pour sûrement le dernier combat. Donc je vais en profiter pour voilà, prendre des trucs de soin. Élixir miracle, je peux pas encore le mettre? Non, je suis pas encore niveau 3. Voilà. Ah c'est ça, voilà. Pour pouvoir me soigner, on peut pas se soigner, utiliser plus de trucs de soin. Ouais, ça. Je vais prendre plein de trucs de soin en fait. Bûche de fermentation s'active automatiquement pendant une courte durée, pourquoi pas. Mais ça je m'en fous un peu. Pommade, voilà. Parce que je sens que ce combat là va être un peu compliqué, on va dire. Donc je vais prendre du soin. Non, c'est le combat. Parce que s'il y a Sigigus plus oui, parce qu'il y avait, c'est bien ce que je disais, le dernier combat, il y a bel et bien Sigigus. Donc 6 contre 2, je pense que je fais bien de prendre de quoi me soigner. Ça risque d'être coton, mais bon. Ouais, maintenir sa jauge de santé au-dessus de 60%, ça va être dur. Je vais te réduire en bouillie. Si tu veux battre, il faudra d'abord les affronter. Non, non, je vais pas les battre. Ils sont trop nombreux. Les 6 maintenant, la situation devient critique. Il faudrait mieux changer de tactique. Si on fonce dans le tas, on n'en reviendra pas. Mais si on les sépare, on pourrait obtenir la victoire. Est-ce qu'il vaut mieux les affronter d'un coup ou les séparer? Soit à difficulté 3 ou à combat frontal. Bon, j'ai toujours choisi légende, c'est pas maintenant que je vais me dégonfler. Non, si on se sépare, on ne pourra pas s'entraider, Bi et moi, c'est trop risqué. Ça sera difficile, mais on peut le faire. Ça marche, ce qu'il dit est sensé. Maintenant, nous ensemble pour triompher. Ça va être dur, pétain. Allez, on y croit. On se concentre, on respire, et on s'apprête à se faire botter le cul, mais on s'apprête à se défendre. Allez mon petit Killer Bee, viens m'aider. Ah là, il a déjà une bonne partie de ce vie en moins, là. Hop, raté. Tiens, Rasengan. Pouf. Et une barre de vie en moins, une. Olé, olé, la tête, tiens, 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 il y a des flammes qui vont atterrir, ah, je l'avais dit, raté. Yeah, Rasengan, bouffe. Ah, non, 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 je dois te faire foutre, tiens, c'est toi que je dois, viens m'aider, toi. Tiens, tiens, ah, il fait chier que c'est double, lui. Ah, laisse-moi utiliser mon Rasengan en paix. Ah là 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 là, Killer Bee, viens m'aider. Ouais, c'est bien. Oh putain, tu es vachement fort, mon petit Killer Bee. Tiens, rien de moins. Oh, je crois que j'ai bien fait de prendre des trucs pour me soigner. Ouh, aïe 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 aïe. Suivant. Ah, t'es obligé de faire ça. Arrêtez de me frapper, Killer Bee. Bon, je prends un truc pour me soigner vite fait. Rasengan! Tiens! En plus, je suis en train de faire des dégâts. Oulalalala, oulala, 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 soignation! Bien, merci, mon petit. Il fait vachement mal, Bi. Raté. Touché. Là, d'accord, j'avoue, vous me frappez, c'est bon. Vite, 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 soignation. Hop, petit soin. Hop, petit soin là, si. Et allez! Fonce dessus! Non merde! En fait, j'essaie de sprinter depuis tout à l'heure. Voilà! Tiens, un de moins! Allez! Non mais c'est bon, arrête de te frapper dessus, il est mort. Et deuxième est à terre. Un petit Rasengan dans ta gueule! Ouh, Takata! Poum! Et une barre en moins! Raté! Touché! J'ai rien dit! Aïe 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 aïe, vous faites vachement mal! J'ai plus de chakra. Voilà pourquoi j'arrive pas à utiliser mon Rasengan depuis tout à l'heure. Aïe 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 aïe. Allez mon petit Killer Bee, viens péter. Tu t'as touché? Non, on dirait pas. Aïe aïe aïe, mais putain de bordel de merde, vous faites vachement mal en fleur. Pourtant j'ai le chakra de Kyubi. Allez, Killer Bee, allez, tire dans le tas. Magnifique.
Je t'ai pas déjà battu, toi? Je confonds avec un autre, peut-être. Un petit peu de soin. Aïe, 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 aïe. Killer B! Achève-le si je galère. Merci, t'es trop gentil. Aïe, 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 oui. Allez, on est à la moitié. On est à la moitié. Oui! Que c'est beau! Tiens, merci, Killer B. Oh! Eh oui, parce que Killer B commence à m'aider! Tiens! Tiens, petit Rasengan dans ton bide! Pouf! Allez, 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 allez! Quand on aura un de moins, ça sera déjà bien! Killer B va m'aider! Merci de l'avoir achevé! Pouf! Ouais. Aïe 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 aïe. Non 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 non. Allez, prends ton. Allez. Oui, c'est bon, je me suis soigné. Allez, il me reste une barre de vie, c'est moyen. C'est moyen, c'est faisable. Oui, c'est moyen aussi, mais parce qu'ils sont vachement forts, c'est con. Pourquoi je peux pas je peux pas changer de style parce que l'autre il est beaucoup plus fort, ça me ferait. Allez, allez, mon petit Killer B. Putain, l'autre, il est m'explose à chaque fois. Soutien. Je peux même pas dire de me soigner à chaque fois, c'est chiant. Enfin, de se soigner, d'utiliser du chakra. De remonter mon chakra, parce que... Oh, j'en ai plus de chakra, j'ai que dalle. Killer B. Allez, 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 fouillez-le-moi. Allez, plus qu'un petit... Mon petit Naruto, tu peux y arriver. Allez, explose-lui sa gueule à ce connard. Ah, Killer B, vas-y, occupe-toi dedans pendant que je me soigne. Pas quand je m'en soigne. Rasengan, raté. Rasengan. Ah. Killer B, viens m'aider, vite. Achève-le avec moi. Oui, on les a eus. Ha, ha, ha. Oui, 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 on les a abattus, les 6. Mais ce n'est pas fini. Et oui, il reste Toby. Oui, j'ai pas réussi à avoir au-dessus de 60%, mais bon. C'est. Ah, putain, je vous emmerde, moi. C'est. Mais c'est plutôt bien défendu. J'en ai chié. J'ai pas arrêté de me soigner. Mais bon, j'ai réussi quand même à battre les 6 Shinchuriki en légende. C'est déjà ça. Vous êtes tous morts, dégagez. Ils sont difficiles à suivre dans la forêt. Nous y sommes désavantagés. Vas-y, avec plaisir. Je vais déraciner tous ces arbres. Oh oui, c'est moi, Hachibi. Oh oui, le rappeur Killer B. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Tadam. Carrément. Toi, tiens bien. Tiens-toi bien, ok? Parce que c'est là... Que commence, ça commence à chauffer. Tornade du démon à queue. Nous nous envolons encore vers d'autres cieux. Non, même pas. Yeah, juste en tout. Wow. C'est leur forme humaine. Leur faune. Ah. Leur forme humaine ne suffisent pas. Cela animera peut-être un peu le déblé débat. Ah non. Quoi? Ah, fait chier. Ça, c'est comme dans le manga. Merde, j'avais oublié qu'ils allaient faire ça. Bonjour tous les démons. Gobi. Lui, j'aime bien Gobi. Lui, je l'aime pas. Rokubi. Nanabi. Coucou, les démons. Ils peuvent toujours se métamorphoser. En avant. Aïe. Ah. Oui, non, je sais pas. Que comment on fait? Je peux pas prendre d'objet pour me dire de me soigner. C'est ce que ma vie, elle était très basse. La dernière fois que j'ai regardé, elle était très basse. Surtout que j'utilisais tous mes objets pour me soigner dans le combat précédent, parce que j'ai voulu le faire en légende. Ça craint.
Yo, fais attention, Naruto. Ouais, j'ai plus de vie. Haha, magnifique. Et moi, Chabi, moi je me casse. Ouais, aïe. Putain, j'ai jamais couru aussi vite. Ah, à présent, même les démons à queue sont des pantins. Vermi, tiens. Saleté de chat. Bon, par contre, là, je risque de devoir recommencer en demandant de reprendre toute ma vie. Aïe, oui, aïe, oui, oui, oui. Bon, c'est bon, t'as compris. Oui, j'ai compris. Tu m'es en train de me botter le cul, je le sens bien. Waouh. Ichabi, aide-moi. Nibi, couchez. Couchez le matou. Parce que le chat a deux queues, là, il est fort. Ouais. Aïe, oui, aïe. Je suis mort, je crois. Ah oui, 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 oui. Bon, on va déjà recommencer avec, j'allais dire... très peu de vie. Mais si je galère trop, je vais faire remonter ma vie. Mais je sens que ça va être un combat qui va être très très long, très très dur. Heureusement, là, ils sont pas trois... Allez, viens m'aider. Ah merde, je tape plus gros, mais... Tiens, Nibi. Oh, un gros Rasengan dans ta tête. Tiens, Nibi. Souffle. Tiens, encore un petit Rasengan dans ta tête. Non, pas lui, pas lui, pas lui, pas lui, pas lui, pas lui. Ouais, vas-y, tape ton pote, c'est bien. Tape ton pote. Voilà, j'ai dit de taper ton pote. La 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 la. Hachibi. Putain, mais quel combat épique. Tiens, Nibi. Ichabi. Ah, je suis presque mort. Moi, j'en aurais déjà battu un, c'est déjà ça. Bah, enfin presque. Est-ce qu'on doit vraiment battre les 6? Si je dois battre les 6, je suis dans la merde. Ah, nous avons un vainqueur. Bah oui, ça m'aurait étonné, parce qu'ils sont vachement forts, putain. Bon. On va recommencer. Et je retente une dernière fois comme ça, sinon après je me soigne totalement parce que tant pis pour la bonne lettre. Ouais, là, je me sens en train de déjà me faire encore exploser. Putain, mais je vois rien du tout. En fait, mon personnage, je le vois quasiment pas tellement que les autres monstres sont gros. Non, Hachibi attaque le gros qui roule. Mais, non mais mets-toi pas devant parce que je vois pas où est-ce que je frappe moi. Putain, vive la permutation. Hein. Tiens, Nibi. Raté, Nibi. Par contre, non, tu m'as touché, bravo, je te félicite. Non, ah, putain, j'arrive même pas. Allez, tant pis, rétablir la santé. Parce que c'est beaucoup trop dur. Si j'avais encore mon matos pour me soigner, peut-être, mais là, bah, j'ai choisi légende aussi, donc c'est vachement dur. Donc, bah, c'est vachement dur parce que j'ai choisi légende tout à l'heure. Et le légende, j'ai dû combattre les 6 d'un coup, donc j'ai pas pu les séparer. Parce que ça aurait été beaucoup plus simple, je pense, avec séparément. Hein. Allez, Nibi. Oh putain. Ah. Et merde. Arrête de m'écraser. Ah, il fait vachement chier. Pourquoi on est obligé d'attaquer Nibi en premier? Allez. Je suis presque. Nibi. C'est pas que je t'aime pas. Mais. Les matous sont faits pour être mignons et gentils. Allez, tu dégages, ta, à ton tour, toi. Sambi, le démon à trois queues. Alors, le démon à trois queues, lui, quand il est... Il apparaît dans le manga pour la première... Bah, pour la première fois, quand on le veut... Quand Tobi va le capturer, il n'y a pas de Jinchuriki pour lui. Donc, ils ont dû le capturer sous cette forme-là, directement.
Alors, vous allez vous demander pourquoi il a déjà un Shinshuriki dans ce passage-là. Tout simplement parce que c'est son ancien Shinshuriki, celui d'avant, qui était déjà mort avant de la guerre. Putain, j'ai déjà presque plus de vie. Et il me reste encore 4 de monstres comme ça. Je suis surpris que tu tenais aussi longtemps contre les démons. Mais tu vas envoyer les deux autres. Non? Oh! La fête est finie. Là, ça va, je perds pas de vie. Nyaan! Couchez, les bêtes! Yo, je ne crois pas! J'aime bien la licorne, je la trouve jolie. Mais ce n'est pas mon préféré. Mon préféré, c'est Kyubi! Tiens, comment je vous balance super loin. Attention le matou. Attaque du matou ralenti. Attaque jet d'encre. Allez, on bourrine le bouton carré. Oui. Tiens. Attaque poison. C'est pas mal. Qu'est-ce que tu crois? Ah, la libellule, j'avais oublié. La grosse libellule, tu dégages de là. Oui! Envole-toi, libellule! Mais quelle superbe prise de judo! Tout ça dans les airs, moi je dis bravo. Ah, le gros macaque! Oh! Non! Naruto! Mmh. Oh, où suis-je? Les démons à queue sont là. Eh oui, parce que les démons à queue vont nous parler. Nous t'attendions, Naruto Uzumaki. J'entendais ta voix depuis longtemps. Tu étais l'un des six. Que fais-tu ici? Où sommes-nous? Ce monde se situe au fond de notre subconscient. Seuls les démons à queue et les membres du Jinchuriki peuvent entendre. Même le masque ne peut pas venir. Tu m'as l'air choqué. C'est Gyumbi, le démon à quatre queues, qui m'a avalé. Du calme, Saul. Naruto, tu t'appelles Gyumbi. Et son vrai nom... Mais son vrai nom est Goku. Ah, tu l'appelles Gyumbi, mais son vrai nom est Goku. Hein? Non, Goku, qu'est-ce que je raconte, moi? C'est Goku, ça m'a fait rire, justement, ça, parce que c'est le même nom que Son Goku. Pourquoi je dis n'importe quoi, moi? Je lis trop vite parce que ça se passe trop. Tu as le passe assez vite quand même. Tu as sacré numéro, je n'ai jamais vu un adversaire si bon affronter des démons à queue. Oui, est-ce une pureté innée ou est-ce Kurama qui est parvu à te discipliner? Kurama, qui est-ce? Eh oui, Kurama est le vrai nom de Kyubi. Voilà, maintenant vous connaissez le vrai nom de Kyubi, c'est Kurama. Bien sûr, chaque démon à queue a un nom. Waouh, je n'en savais rien. Je ne te blâme pas. Nous avons appris leur nom que très récemment. Nous sommes ici avec les démons à queue parce que nous t'avons entendu. Ta gentillesse à leur égard a changé notre vision des choses. En tant que Jinchuriki, nous voyons les démons à queue comme de vulgaires sources d'énergie. Nous ne savions même pas qu'ils avaient des noms et nous en fichions. Nous les mettions de côté et nous renions leur existence. En fait, je peux comprendre ce qu'ils ressentaient. Je faisais pas mal d'âneries pour me faire me remarquer. Je faisais tout ce que je pouvais pour attirer l'attention. Pour moi, c'était toujours mieux que d'être rejeté. Je suis un Jinchuriki, mais mon nom est Naruto, et c'est important pour moi. Alors j'imagine que... Voir ce type prétendre que les noms ne sont pas importants et contrôler les démons avec eux, ça me fait enrager. Tu es vraiment un sacré numéro. Dépêche-toi de t'occuper de cet homme masqué, ça me rend fou de savoir qui contrôle les démons avec eux. Ok, compte sur moi. Kurama, tu nous écoutes aussi, non? Donne-lui un coup de main pour nous.
Pas de réaction. Un jour. J'espère que lui et moi pourrons être des alliés au combat. Mais ce serait mal de le forcer. Je sais que Kurama et moi pouvons être amis. Je veux faire tout mon possible pour l'aider à oublier sa haine. Et dans ce cas, pourquoi ne pas utiliser nos pouvoirs en attendant? Oh, petit matou, t'as une grosse papatte. Non, tu vas pas m'écraser? Ce n'est pas grand-chose, mais c'est mieux que rien. Que c'est beau. Donnez-moi votre énergie. Je suis Yugitoni et voici Matatabi. Je suis Yagura, le quatrième Mizukage. Lui, c'est Izobu. Je suis Roshi et voici Son. Je suis Han. Ce démon s'appelle Kokuo. Kokuo, c'est comme le nom du cheval dans Ken de Survivant, ça. Moi, c'est Fou. Et voici Shomei. Merci. Je n'oublierai jamais vos noms. Ils sont gravés dans mon cœur. Moi, je les ai déjà oubliés, mais bon, c'est pas grave. À part Goku, là, je l'ai oublié. Et Goku, oh. Ah oui, une dernière chose. Kurama doit pouvoir t'entendre. Et s'il ne t'aimait pas, il ne t'aurait pas accompagné aussi loin. Oh, c'est beau. Petit Kyubi, tu m'aimes bien en fait? Tu sais ce qui se passe, n'est-ce pas, Kurama? Petit Kyubi. Bah les pattes. Naruto! Je vais m'emparer de Kyubi maintenant! Oui, bien sûr. Quoi? Oh, rien! Coucou! Naruto Uzumaki, tu ne t'arrêtes donc jamais! Naruto, je m'ai quitté, mon pote! Désolé. Mais me faire avaler m'a permis d'apprendre des choses sur les démons à queue et leur nom, ça valait le coup. Leur nom? Quel nom? Tu n'en savais rien, hein? Eh bien, je ne te dirai rien. Du tout. Bah pétain, le combat est pas encore fini. D'où sort toute cette puissance? Viens aller, Toby. Je suis là pour te botter le cul, mon petit Toby. Tu commences à me gonfler légèrement. Rasengan raté. Les humains racontent toujours la même chose. Non. Désolé mon petit Kokuo, mais je suis légèrement obligé. Je vois rien. Oui, grosse bulle. Aïe. Ah non, j'ai rien sorti. Allez, ponce un petit peu. Ya la la la. Désolé. Gobi. Ah oui, Gobi, c'est le démon à queue, tout ça. Tiens. Viens m'aider, Ishibi. Ashibi. Oh, j'ai du mal avec tous ces noms japonais, moi. Je fais de mon mieux pour essayer de dire les vrais noms, mais des fois, c'est dur. Raté. Où est-ce qu'il est? Aïe, il était là. Mais avec la technique de permutation, je n'ai rien senti. Non, mais attaque pas lui, je vais attaquer Gobi. Ah, j'ai compris comment on fait pour changer d'adversaire maintenant. C'est bon. En fait, il faut juste appuyer sur le bout de l'analogique droit comme ça pour pouvoir changer. Allez,
Kobe, prends-toi ce coup de poing. Oh, oui. Bon, d'accord, j'avoue. Allez, va m'aider, Chibi. Ah, Chibi. Ah, Chibi, tchak, tchik. Bon, toi, t'es bubule, hein. Je suis prêt, là, ou je suis loin de lui? Je suis loin de lui. Tiens, je te tape dans les couilles. T'as mal, hein. Hein, tu as mal. Avoue que t'as mal. Rokubi. Tiens. Viens m'aider, Ashibi. Putain. Allez, plus qu'une barre de vie. Et je pourrais tabasser Topi. Approche-toi un petit peu. Tiens. Comment j'utilise tout le chakra de Kyubi, n'empêche. Allez, vas-y, voilà. Boum et boum. Allez, viens, Toby. Viens ici, que je te batte le cul. J'en profite de recharger ma barre de chakra. Ah, tu veux, Ashibi ne peut pas venir m'aider quand je suis en plein combat contre lui. Ah, j'ai pas réussi, mon Rasengan. Allez, bouffe-toi ça. Souffre. Et un petit deuxième. Et une barre de bière noire, hein. Allez. Oh, bravo. Raté. Moi, par contre, je t'ai touché, mon cher Toby. Tiens, tire un Sinigan dans la tête. Boum. Allez. Tic-tac-tic-tac-tic, oui. Mais quel sprint, mon cher Naruto. J'ai envie de dire bravo. De toute façon, il va pas tarder à faire appel à ses deux derniers potes, hein, j'imagine. Un jour, je deviendrai Hokage et je serai le meilleur qui ait jamais existé. Peut-être. Tout le monde dans le village reconnaîtra que je suis le plus fort. Et cette fois-là, je le prouverai. Je montrerai aux gens qu'ils ont un héros. Désolé pour le retard, les héros se font toujours désirer. Et cette fois-là. Allez, appelle tes potes. Oh là là. On va commencer par lui, hein. Allez, Yombi, Goku. Goku le macaque. Tiens. Tu commences à me faire légèrement chier. Yumbi. Ashibi, tu sais quand tu veux que tu peux venir m'aider, hein. Allez, mais quel combat suprême. Ashibi, donne-lui un gros coup de poing dans la gueule, merci. Vous pouvez en donner plus de coups de poing. Et un de moins. Je ne fuis jamais. Et je tiens toujours mes promesses. Ah oui, vérifions ce que tu dis si ce que tu dis est vrai. Montre-moi ça. D'accord, je te le prouverai en te battant. Et cette fois-là, les gosses croient que la vie est simple. Ils ont des rêves plein la tête. Je ne mourrai pas avant d'être devenu Hokage. Allez, autour de la libellule. Ouais, mais comment t'es pour t'avoir, parce que t'es toujours en hauteur, toi. Comme ça. Ashibi, viens m'aider. Je vois rien, hein. Ce serait quand même dommage de crever maintenant, quoi. Putain, je vois rien du tout. Je veux pas mourir maintenant. Je vois même pas ses attaques, je comprends pas comment il m'attaque. Ah, c'est sa queue. Allez. Comment on peut lui donner des coups à lui? Il vole. Ouais, à part Ashibi, je vois pas. Ah non, je veux pas mourir maintenant, quoi, merde. J'ai presque plus de vie.
Allez. Oh, ça ferait chier de tout recommencer, ça c'est sûr. Allez, Chibi. Tape-le, parce que moi je suis un peu dans la merde là. Allez! Bourrine-le! Tigaligala! Tigaligala, soin de soin! Re! Donc c'est reparti en essayant de se concentrer un maximum pour essayer de le buter sans crever, même si ça risque d'être très très dur, parce que celui-là, pas moyen de lui donner des coups. Bah, de comprendre le principe pour lui donner des coups en fait. Allez, je suis en train d'en prendre une grosse branlée. Allez, lève-toi. Allez, tape-le. Putain, merde, t'es presque mort. Et je réessaye, mais je recommence tout le combat. Ou seulement la dernière partie. Alors, réponse. Vous avez hanté toute sa puissance. Montre-moi la vie. Toby, ouais, donc je te. Oh putain, je tombe trapé, fais chier. Bon, je recommence, que là j'ai encore. J'en chie à mort. J'aime pas commencer en me prenant plein la gueule en fait, c'est. Ça sert à rien. Je préfère recommencer en donnant des coups. Allez. Ah oui, on va en fait à chaque fois que je recommence, on reverra cette cinématique là. Ok, bon. Bon bah c'est reparti pour le combat. Merde, n'attendez pas ça. Allez, frappe-le. Allez, un petit Rasengan dans ta gueule. Tic 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 tic. Oh putain, il faut se retaper tout cela aussi. Oh là 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 là. Allez, rapproche-toi. Voilà, Gobi. Je suis désolé, mon petit Gobi. Je t'aime bien, mais. Je suis obligé. Allez, voilà. En fait, je bourrine le bouton coup, mais je bourrine aussi le bouton permutation au cas où. Ou au cas où je reçois un coup de l'autre con qui se trouve derrière. Non, mais faut pas le faire se barrer, sinon on en chie. Ah là, là par exemple, j'ai pu utiliser la technique de permutation à cause de voilà, à cause de d'une de ces bulles à lui. Il me reste déjà plus qu'un truc de permutation. Voilà, magnifique, t'es bon, tu bouffes bien toi. Tu bouffes même pas mal, là, je suis content. Voilà, encore, ça c'est bon. Allez, encore un petit coup, voilà. Allez, mon petit Chibi, viens aider. Ah, mais quand il lui donne un coup, il le fait s'envoler. Ah là! Allez Toby, viens de battre. On finit par comprendre un petit peu le stratagème de ces combats là. Allez, boum! Boum! Raté mon petit Toby! Ils font chier ces boss qui peuvent se faire une permutation tout le temps, j'ai l'impression. Raté! Raté! Par contre, moi, je t'ai touché. Ah merde! Didou didou di, boum! Tiens! Souffre! Et une barre de vie en moins! Allez, viens de battre! Allez! Oh, Rasengan! Hop là! Allez! Tac 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 tac. Tiens. Je t'aime pas Toby, ça tu dois le savoir. Oui, ça on l'a déjà vu. Ah là là, c'est vraiment un combat pouf. J'ai rarement vu des jeux de baston avec des combats aussi épiques quand même. Ah, ils ont mis le paquet. Ils ont mis le paquet. Là, on peut que le dire, ils ont mis le paquet.
Ah non, j'étais en train d'utiliser une grosse attaque sur ta gueule. Allez, hop là. Concentre pas le gros macaque comme d'habitude. Là, là. Magnifique, tout se passe bien. Une barre de vie en moins. Le problème c'est que l'autre il est encore au suite derrière, continue à me donner des coups. Et ça me fait utiliser mes trucs de permutation pour rien. Ouais, je suis où? Aïe 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 aïe. Bon, ça va, genre j'ai plus de vie que la première fois, je pense. Ah là! Allez, plus que les libellules et après on tabasse Toby et c'est réglé. Donc un épisode plus long, hein, mais c'est sûrement l'épisode final, c'est pour ça que je ne coupe pas. Parce que c'est sûrement la fin du combat ainsi que la fin du jeu. Et cette fois-là, les gosses croient que la vie est simple. Ils ont des rêves plein la tête. Je ne mourrai pas avant d'être devenu Hokage. Et cette fois-là, trois petits points. Alors il est où l'autre? Tiens, j'ai donné un coup mais je sais pas comment j'ai fait. Comment j'ai fait ça? Bien. Allez Hachibi, je sais pas où je suis. Je suis là. Oh putain, elle fait mal, c'était de libellule. Je sais pas la frapper. Ouh, j'ai donné un coup. Ah là, j'ai donné un autre coup. J'ai donné encore un coup. C'est bon, je commence à pas maîtriser, mais à mieux comprendre le principe. En fait, il faut sauter automatiquement. Hop, et donner un coup. Allez, Hachibi, viens m'aider. Hachibi, je t'appelle. Allez! Je suis obligé de sauter pour te tabasser, Nanabi! Hop là! Nanabi signifie 6 queues, j'ai l'impression. Alors, Nana, ça veut dire 6. Parce que le bi, ça veut dire queue, et le Nana, c'est le nombre de queues. Donc, Q, ça veut dire 9, sûrement. Alors je dis peut-être des grosses conneries hein, là, mais je sais que c'est par rapport au nombre de queues que leur nom. Allez mon petit, t'es presque. Parce que, allez, au pire c'est Hachibi qui t'achève. Hein. Allez Hachibi. Merci. Allez Toby. Viens ici. Merci. Bon, tu fais légèrement chier Hachibi, Toby. Non, Chibi, il est gentil, pourquoi je dis qu'il me fait chier? Celui qui... Ah, comment t'as évité mon Rasengan? Eh non! Je suis plus rapide que toi! Abandonne! Abandonne l'idée de me faire abandonner. Montre-le-moi encore une fois! Montre-moi ce potentiel! Ça, c'est contre les Pain. Un petit Rasengan? Je sais que t'aimes bien ça, Toby! Poum! Allez! Souffre! Non, reviens! Je vois rien! Ah, combat terminé! Wouhou! D, oui! Recommencer, moins 2000! Ouais, youpi, je perds des sous en fait! Mais c'est pas de ma faute, c'était dur. C'était dur comme combat. Je vous jure que c'était hard. C'était vraiment hard. Tu as tenu plus longtemps que je ne le pensais, je te l'accorde. Mais peu importe combien de temps tu lutteras, c'est inutile. Tu es obligé d'admettre que mes compétences au combat surpassent largement les tiennes. Je n'en ai pas fini. Pourquoi continuer à t'obstiner?
dépêche-toi de t'occuper de cet homme masqué. Ça me rend fou de savoir qui contrôle les démons à queue. Ok, compte sur moi. Ça, on l'a vu il y a même pas 5 minutes, mais... Tu sais que Bi, un jour, je m'occuperai de ta haine. Eh oui, je fais une promesse à tous les Resin Shuriki. Et au démon à queue. Et à lui. Je tiens toujours mes promesses. Je ne reviens jamais sur ma parole. C'est mon Nindo. Ça veut dire son objectif en tant que ninja. Oui. Voilà le Naruto que je connais. Oui, c'est le passage que j'attends depuis un moment. Tu comptes jacasser encore longtemps? Bombe, bijou! Quoi encore, Naruto? Ne me dis pas que tu es intimidé par si peu. Tu es déjà prêt à capituler, ça ne te ressemble pas. C'est vrai, j'essaie juste de trouver un moyen de m'en sortir. Comme toujours, tu n'as pas la moindre envie d'abandonner. Tu vas voir, je vais m'en sortir. Si tu veux emprunter un peu de ma force, Naruto, vas-y. Ah, j'adore ce passage. Je suis content que tu me le proposes, mais... Avant, je dois te dire quelque chose. Merci de m'avoir donné ta force contre notre Madara. Ça m'a vraiment tiré d'affaire. Voilà, arrête de faire ton sentimental. Si je l'ai fait, c'est parce que tu es la meilleure option que Madara. D'ailleurs, je n'ai pu te donner qu'une petite partie de mon chakra à cause de cette cage. Disons juste que je suis un peu plus intéressé à ton Koba cette fois, histoire de passer le temps. Pourquoi tu es fâché que je te remercie? Même si tu n'as rien, même si tu ne peux rien faire pour ton apparence. Lions nos chakras. Tu veux rire, tu veux encore faire un tir de corde avec nos chakras? Cette fois ce n'est pas nécessaire, missile. D'habitude il dit, même si je m'ennuie, ça pourrait animer un peu les choses. Voilà, c'est ça, il dit, mais bon, si tu y tiens, moi je veux bien. Donne-moi ta force, sale renard. C'est quand il utilise pour la première fois son vrai potentiel de renard, où il fait libérer sa première queue. Qu'il est pas beau. Qui veux-tu tuer? Arrête de sortir. Cette fois, je suis vraiment en colère, Naruto. Je ne te ferai rien de mal. Je te demande juste un peu de patience. Alors c'est chiant les flashbacks comme ça. Ne t'imagine pas qu'être lié à un démon à queue est une mauvaise chose. Boum. Et voilà. Et c'est le début d'une longue amitié. Quoi que je fasse, maître Iruka ne trouve toujours pas que je suis doué. Ce démon de renard, oui. Vas-y. Ouvre la cage. Ce gamin est l'un de mes meilleurs élèves. Cric. À cause de son acharnement, il peut avoir l'air maladroit. Les autres ne voient pas qu'il est doué. Mais il sait ce que c'est de souffrir. Alors ça, c'est un moment très très important dans l'histoire de Naruto. Car Naruto et Kyuubi sont devenus alliés. Et vous allez voir une petite différence. Oh, comment c'est trop beau!
Tu n'es plus un démon renard. Tu es devenu un allié de Konoha. Tu es mon partenaire. Kurama. Et là, il se voit qu'il connaît son nom. Allez, let's go. Et voici la puissance du chakra de Kyubi. Boum, libération des neuf queues. Et là, Naruto a trop la classe. Et voici Kyubi. Mais trop tard. Oui, bien sûr, les bons bijoux. Et qu'est-ce que tu crois? Je peux faire la même chose. Disparais. Toi d'abord. Orbe de démon à queue, n'importe quoi, c'est la bombe bijoux. Boum badaboum. Ça pique aux yeux. Coucou. T'as trop la classe, Naruto. Non. En avant, Kurama. Mais putain, c'est pas encore fini le combat. Ça va être un épisode d'une heure et demie. Là, il y aura peut-être un peu plus de chance que normalement. Là, on est ultra puissant. Naruto, le pouvoir de Kyubi. En avant. Et que ce soit bien clair, je ne vais pas rester là à rien faire. Pas dans une telle situation. Putain, mais Naruto, quand il était en forme normale, il faisait plus mal, hein, Kyubi. Bah alors, tu. Ah, je peux pas permuter. Ça va être très dur aussi là. Là. Ouh, j'ai pas l'habitude de contrôler un gros monstre comme ça, c'est bizarre. Allez. Vas-y, tue-le, gros Kyubi. Tiens. Voilà, un gros coup de poing dans ta gueule, c'est bien. Défense quand même. Là. Ah, on peut pas utiliser ce chakra, c'est bizarre. On est obligé de taper comme ça, il n'y a pas de grosse technique, genre une bombe bijou ou un truc du genre. On dirait pas du moins. J'appuie sur triangle pour dire d'utiliser le chakra, non, ça marche pas. Aïe, faut que j'arrête de foncer dans le tas en fait. Le problème c'est que j'adore foncer dans le tas. Ah, s'il faut faire les 6 démons de cette façon là, je risque de recommencer une paire de fois aussi. Poum. Un de moins. Ah ouais, bah c'est ça, hein, ça a l'air d'être ça, je crois que je risque de faire les 6 démons. Alors qu'ils ont encore 3 vies, 3 barres de vie, et moi une seule. Yeah. Allez, Sandy. C'est pas que je t'aime pas, mais... Ouais, je fonce dans le tas, moi. Ça sert à rien. Faut savoir se défendre. Enfin, se protéger. Allez, Sambi. Démon à 3 queues. Là. Tiens, plus qu'une barre de vie. Non, Sambi, tu bouges pas. Non, c'était. Arrête d'attaquer. Mais merde, putain, j'ai. Ouais, c'est quand. Il met du temps à attaquer en fait. Ah merde, je pensais pas qu'il allait faire demi-tour. Il met un petit peu de temps à attaquer. Donc l'animation d'attaque est assez longue à arriver.
D'un côté, c'est des combats de géants, donc c'est un peu logique, on va dire, mais ça veut dire que quand on appuie sur le bouton pour se défendre, bah, il se défend pas forcément. Tiens! Ah, merde. Ah, il faut tous les faire. Je vois rien. Je peux pas bouger la caméra. Hachibi, tu peux venir m'aider? Ouais. Je peux défendre, m'en fous. Ah non, ça sert à rien de se défendre là. Non, ça sert strictement à rien. Là, j'avais le bouton défense activé, mais ça sert à rien. Alors, je sens que ça va être un combat difficile aussi là. Là, par contre, la permutation, bon, on en a pas. Ce qui est un peu logique, mais bon. Tiens. Tiens, Lilia, coucher. Ah, zombie, tu fais chier. Voilà. Allez, plus qu'une barre de vie à enlever pour zombie. C'est sa dernière attaque en fait qui fait plus mal. Voilà, poum. Son gros coup de poing en fait qui fait vachement mal. Allez, quatrième, mais je pense que il reste plus que deux. Il va être ouais, le dernier, il va rester très dur. Il y a de fortes chances que je risque de devoir recommencer. Voilà. Voilà, vous voyez, c'est vraiment un moment important de Naruto car il y a tous les démons qui sont présents. À part le démon à une queue, là on l'a pas vu. Le démon à une queue, on l'a pas vu. Yoboum. Yaoum. Esquive. Ah, il m'a eu. Bon, eh bien, je crois que je vais réessayer dans un prochain épisode parce que là ça devient vraiment très très long. Donc, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, de mettre un petit commentaire, de cliquer sur j'aime, de faire un petit tour sur notre page Facebook et de parler de nous autour de vous. Et je vous dis donc à un prochain épisode pour la suite de Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3. Salut tout le monde !